Choupi a peur des chiens. Choupi va au parc avec maman. Oh, un chien! Regarde maman, un chien! Oui, oui, mon chéri, c'est un caniche. Je veux voir le caniche. Viens, mon Choupi. Au parc, il y aura sûrement plein d'autres chiens. Sur le chemin, Choupi poursuit des pigeons. Ils sont rigolos, ces pigeons. Mais moi, je préfère les chiens. Un peu plus loin, Choupi aperçoit un gros chien. Un chien! Un chien! Choupi attend. Fais attention! Mais quand Choupi s'approche, le chien se met à bondir dans tous les sens. Ouaf! 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 Maman, j'ai peur! Le monsieur calme son chien. Ne t'inquiète pas, c'est un jeune chien. Il est un peu tout fou, mais il est très gentil. Moi, j'ai peur des gros chiens, dit Choupi. Maman s'approche du chien. Tu vois, Choupi, il a eu peur lui aussi. Il faut le caresser doucement. Tu veux essayer? Non, il va me mordre. Finalement, Choupi avance la main. Maman, regarde! Le chien remue la queue. Oui, mon Choupi, il est content que tu le caresses. Choupi n'a plus du tout peur maintenant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Filou et il a 3 ans. Oh, comme moi, dit Choupi. Choupi se tourne vers maman. On peut avoir un très gros chien comme Filou à la maison? Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Et comme Choupi, je t'invite à faire attention aux chiens. Si toi-même tu te promènes avec maman, papa ou même tout seul, que tu rencontres un chien que tu ne connais pas, fais attention, sois toujours prudent. Avant d'aller le caresser, assure-toi que le chien est gentil. Tu peux approcher ta main doucement et suivant le comportement du chien, si tu vois qu'il commence à grogner ou à montrer les dents ou semble pas content, alors n'insiste pas et continue ton chemin. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te rejoins pour de prochaines histoires de Choupi. À très bientôt.